Là, ça me fait bizarre, je filme et j'ai des FPS normaux. Il est à gauche de la longue, l'autre. Bon, il veut pas sortir, je vais lui niquer sa grand-mère. Hein. Un gros PD. Avec sa grenade. Wow, on a la team Yellow et Purple. Lucas et Noël, genre les mains, ils sont trop chauds. Drop. C'est bon, on peut plus bouger? Oh. Non! J'ai pas le temps de tirer dessus! Je suis dégoûté. Bon, bah, comme d'hab, tu mets ta grenade dans la longue. Enfin, tu fais un mec si t'entends courir. Ouais, enfin, ouais, tu sais, sois sûr que. Si j'entends courir, je te dis. Je crois que c'est drop. Drop. J'ai la bombe, elle est tombée. Je mets une flash. Ah, d'accord. Il m'a mis ça quand en sautant. Quand j'ai vu que t'étais mort, je me suis dit putain, mec, faut pas que je me foire. Mais tu sais qu'il m'a mis ça en sautant. Hein. Il était ouais, full, ouais, il était full blanc en plus. Mec, il était full blanc parce que il se couvrait les yeux. Et il me l'a mis en sautant. Normal. Quand t'es mort, en plus, j'ai tiré les deux premières balles à côté. Je me suis dit oh non, faut pas que je force ça, putain. Et mon saut. Ça court longue. Je flash au-dessus. Il est dans le recoin. Il bombe. L'autre il drop. Ah putain, il redécale quand je recharge. Bon, tu fais tout le boulot et moi j'attends, d'accord. Oh merde, mon arme, vite! Oh putain, je suis trop con, je l'ai jeté sans faire exprès. Bah vas-y, je vais refaire 12-0, nique sa mère, faut qu'il me fasse rank, hein, je m'en fous, moi. Ouais, moi je rank en in-game, j'ai pas le time, tu vois. Mais même le shérif, je m'y attendais pas trop, quoi. Ça court long. Il y en a un qui est passé. Tiens, c'est passé. J'ai 11 HP. Ah, il m'a baisé, mais. Wouah, j'ai mis que un hit à 18. Bon, bah, désolé. Moi, je me suis fait des pop. J'avais mis du combien? Ouais, j'ai rien mis du tout. Ah, il fait chier l'autre, hein. Et il fait ça avec son CZ, s'il te plaît. Hein. J'ai tenté d'acheter un scout. Vas-y, hein. Et d'aller long. Écoute, on verra bien. Let's go, let's go. Drop, je crois. Ah, quoique. Non, y'a rien, drop. Ça balance du stuff dans la longue. Ils sont passés les deux. Bien joué. Tu l'as tué au scout l'autre? Ouais, j'ai mis une tête. Aise. Ça c'est vraiment frustrant ça. Quand tu te fais ken par un scout. En je one shot. Avec toi, même si j'ai pas le. Ouais, mais il bougeait pas aussi, mec, au bout d'un moment. Ah. Oh putain, ça a contre HE. Voir si c'était la tienne. Non, ça a balancé une HE. Et là, ça balance des molos. Aïe. Putain, ça... je suis piqué par le feu. Il y avait la bombe en haut là. Tu viens me boost? Ah peut-être t'es un peu loin peut-être. Ouais. Par contre je vais peut-être revenir vers toi parce que si... Si te décale et que tu meurs je pourrais pas te revenge. Ce serait con. Mec j'ai mis une smoke, je sais pas où aller atterrir. Longue. Attends, on te montre pas au pire. Je
suis sûr de l'avoir touché, hein. Mais j'ai 10 HP. Il a combien, il a touché 73 ans. Non, même pas. Pourtant, j'étais dessus, hein. Putain, ça fait chier là que je meurs. J'étais sûr de l'avoir touché, mec. Et même pas. Oh l'enfoiré, il fait même pas exprès. Mais moi je suis deck, ouais, parce que j'étais sûr de l'avoir touché et non. Parce que j'étais vraiment mon viseur dessus, quoi. Ouais, c'est le mec drop que j'ai touché. Je vais le garder parce que c'est bien. En plus je suis con, parce qu'il avait même pas récupéré la bombe, putain j'aurais su. Ça court dans la longue. C'est à sauter, dropper. Mort, drop, long, pardon. Encore un long. Quoi? Mais j'ai entendu un mec sauter, dropper. C'est bizarre. T'attends qu'à sauter dans le recoin, tu sais. Ah ouais, peut-être. Bien joué, en tout cas. Putain, j'aurais dû récupérer une de leurs armes. Je suis toujours au scout, moi. Ah ouais, on a la bombe, ok. Elle est en bas, hein, ouais. De toute façon, s'il va drop, on l'entendra sauter, dans tous les cas. Ouais, ouais. C'est quoi la poste que t'as, là? J'ai les drops. Il est reparti fenêtre, côté fenêtre. T'as 4 mètres sur site et tu regardes la porte, tu sais. Ouais, ouais. Il est pas passé. Bien joué. C'est le dernier, donc je vais peut-être acheter une autre arme. J'ai acheté un Europe. Yes. Prends un kit, un pistolet dégreux, enfin, vu que c'est le dernier. Ouais, ouais. Ça balance du stuff long. Long. Ouais, je l'ai vu. Il est derrière les caisses ou... J'ai 11 HP. Bien joué. Je l'ai entendu repartir. Ça va, tu me carries pas trop. Franchement, je les trouve naze, hein. Ouais, ils sont pas ouf. Enfin, je veux dire, pour son que t'es lui et moi shérif, là, tu vas voir qu'en face, il va encore avoir un Nova ou un truc comme ça. Tout à l'heure, il y avait un Nova 3, j'y rank là-dessus, quoi. Putain, par contre, si je rank pas la vie, mec, ça va me funner, hein. Vas-y, hein, comme d'hab, hein. On court, on met des têtes et bisous. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Ça court, hein. Oh. Ils sont les deux, hein. Ouais. Oh le PD. Putain, moins 40, moins 49. L'autre était carré aussi, tu l'as vu à gauche. Allez, une tête. Peut-être Michigan. Nice! Putain, GG. Ouh! Je t'avouerai que quand t'es mort, j'y croyais pas trop, mais bon. L'avantage, l'important. Vas-y, on prend des plaies, mais on. On leur court drop, non? Allez. Ça me va. C'est la putain de mauvaise idée, frère. Là-t-il dans son spawn! Il est parti là, ouais. Il s'est accroupi, frère, toutes les balles sont passées au-dessus de sa tête. Je suis trop dégoûté. En on plus, aurait mec, rush long, on aurait gagné parce que le meilleur ouais, gars il était AFK. Ouais, clairement, mais bon. Là, en plus, pour le tuer, mec, j'étais à moitié tiré dans le dos. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la même ou quoi? Allez. Donc on a juste des pistoles, on essaye de faire des dégâts économiques. Derrière nous!
C'est vrai que t'as pas fait si mal que ça. Easy. Oh les pauvres. En plus t'as même pas de Kevlar, rien, mais ouais, t'as touché pourtant. Ouais ouais, il m'a mis du 40. Putain mais c'est abusé, genre avec la impunch tu t'es pas fait baiser. Oh merde. Bon ouais, c'est pas grave, on prend des AK de toute façon, c'est terminé là. Putain, ce round qui se prenne mec, chaud quand même. Ah ouais, j'aurais pas aimé hein. Drop. Ah merde, c'est moi qui ai la bombe. Merde. Il est sorti, je crois. Voilà. Les pauvres. Est-ce que je rank ou pas? Est-ce que je vais... Oh oui, je suis aigle légendaire. Mec, on fait deux games, on a déjà rank, on est déjà LE, genre. Ouais, ouais. Normal. Alors qu'on a fait deux jours de victoire. Regarde, il y avait un LEM, il fait du 2-10, mec. Comment... Oh là là. Lui aussi, il a dû gagner deux fois, il s'est fait la full rank. What the fuck. Bon. Lol. Vas-y, je vais rien tuer, je vais mettre du bois. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc les gens, vous assistez à une vidéo CSGO. J'en profite qu'il soit pas là pour parler. J'ai trouvé le moyen pour avoir un peu plus de FPS. Bon, vous voyez que le jeu est un peu plus moche, mais au pire, ça, c'est pas très grave. Ça permet quand même que ce soit plus fluide. De toute façon, j'ai modifié ma config pour faire en sorte de gagner des FPS. Tout ça, parce que je passe quand même... Là, je filme, donc je suis en 30 FPS à peu près. Mais quand je filme pas, je suis à 100. Donc avant, j'étais à 30 sans filmer. À 40, pardon, sans filmer. Donc j'ai un peu modifié ça. Là, nos rangs, c'est LE. en sachant qu'on était, on est resté bloqué double AK un très long moment. Moi, j'avais spawn AK Laurier. Ouais, re. Re. Attends, parce que j'ai filmé notre game, mec. Et du coup, j'étais en train ouais. de parler à mes viewers et je leur disais que en fait, toi, je crois que t'as spawn double AK et moi AK Laurier. Ouais. Et que, en fait, on a. Enfin, j'ai réussi. Même pour passer double AK, je crois que j'ai galéré. Et après, pour passer shérif, mais on en a chié un truc de fou. Parce que, en fait, on n'arrêtait pas de gagner, mais on n'arrivait pas à rank up. Ouais, on a dû faire 10-15 victoires d'affilée, ouais. Ouais, genre à un moment, on était à 10 victoires d'affilée, et encore, on n'avait aucune défaite, et on faisait des matchs nuls et tout. On n'arrivait pas à rank, et puis après, on a commencé à faire des défaites. Et puis là, j'ai up shérif. Toi, t'as up shérif avant moi. Mm. Après, moi, j'ai up shérif aussi. Et une game après, on l'a gagné, j'ai up LE. Normal, en une game. Donc je comprends pas trop. Et bon, ça c'est en winman, en 5v5, je suis toujours à calorier. Faut que je tryhard un peu. Ah, par contre, mec, la config que j'ai mis, c'est tellement plus agréable quoi. Ah, ah ouais. C'est un truc de ouf. T'as mis quoi en 4 tiers? Non, non, j'ai mis en 1000. Avant, j'étais vraiment en 1600 fois je sais pas combien là. Enfin, ah. Max quoi. En 1080p machin. Et là, je me suis mis en 1200 fois 700, je crois. Donc ça fait quand même un bon zoom. 4 tiers, ça me met des bandes noires sur le côté, j'aime pas. Ah. Moi, ça m'étire juste le truc, enfin, c'est 4 tiers... Ça me fait, quand même un bon zoom. J'ai modifié mon viseur... Pardon, mon viseur, je l'ai rendu transparent, en fait, un petit peu. Comme ça, je vois mieux. Et puis j'ai mis... j'ai plus de FPS qu'avant, quoi. Parce que 30 ou 40 FPS pour jouer, c'est pas... Ouais, ouais là, mais j'ai l'habitude, tu vois. Genre, là par exemple, c'est ça, stream, que des fois t'as l'impression de te prendre des crosses aussi. Ouais, peut-être. Par exemple, là, la game que j'ai joué, vu que je filme, je la jouais en 30 et quelques FPS. Là, je suis à 40 par exemple. Donc, par contre, j'ai des chutes de FPS sur cette map là. Ouais, re les gars, je buguais un petit peu quand même sur Inferno, donc j'ai arrêté la game. Donc pour vous dire que les vidéos CSGO vont donc reprendre parce que j'ai enfin des FPS
sur ce jeu. Tiens, je vais télécharger ça en même temps. J'ai enfin des FPS sur ce jeu. Donc je vais pouvoir faire des vidéos parce que ça va me remotiver un peu. C'est clairement le jeu auquel je joue le plus actuellement. Donc, écoutez, on va reprendre un petit peu les games sur CSGO. J'aimerais bien vraiment m'améliorer sur le jeu. C'est pour ça que j'ai un peu modifié ma config et tout, pour essayer d'avoir un truc un petit peu plus optimal quand même, au détriment des graphismes. Mais c'est vrai que sur un jeu comme CSGO, les graphismes, on s'en fout un peu. On est là vraiment pour niquer des mères. Donc voilà. La game s'est finie, on a gagné 9-1, je crois. Et juste après, on est tombé sur Short Dust. Je sais pas si vous connaissez cette map, c'est la mini Dust en fait. Je sais pas si vous connaissez, c'est Dust 1, donc qui est pas Dust 2, qui est beaucoup moins connu que Dust 2. Et on a gagné 9-3, donc on est LE tous les deux. Il a rank LE, Yoz, sur la game qu'on a gagné sur Inferno, je crois. Non, même une avant, je crois, je sais plus. Non, ou celle sur Inferno. Non, ou alors il a peut-être rank up sur celle que j'ai filmée, je sais plus, enfin bref. On est tous les deux LE, je pense qu'on peut largement être LEM parce que franchement, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'en Wingman, les mecs qui sont AK ou double AK sont plus chauds que les mecs qui sont shérif ou LE. Donc je pense vraiment qu'en fait, les mecs qui sont... je pense qu'il y a eu un bug, clairement, qu'il doit y avoir un bug parce que on a vraiment mis, allez au moins, on a dû faire 30 games avant de passer shérif, quoi. Enfin, c'était abusé. Sans comptant les victoires ou les défaites, on a dû faire un total de 30 games. Et on a dû faire quasiment 20 victoires, je pense, pour enfin rank up. En tout cas, moi, il a rank up un peu avant moi. En sachant que mon deuxième compte, j'étais passé shérif sur un 8-8. Et après, genre 3 games plus tard, j'étais passé LE sur une égalité 8-8, où j'avais fait une game à 4-10 ou 4-15, je sais plus, enfin une game de merde j'avais fait, et j'avais rank LE. Donc je pense qu'il y a quand même un bug en fait pour le rank LE. Et du coup, ça m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de mecs en fait qui soient à un rank qu'ils n'ont pas vraiment. C'est-à-dire que moi, par exemple, voilà, ça c'est mon rang actuel, je pense que je pourrais être double AK, voire shérif si je m'applique bien. Après, je sais pas si je peux monter au-dessus, parce que je suis pas non plus une machine à skill, mais de skill. Donc, à voir, mais voilà, donc je suis un peu plus haut que ça, donc quand je tombe sur des mecs de ce niveau-là, en 2v2, enfin je les défonce, donc du coup, sauf si les mecs, il y a des smurfs ou des mecs qui peut-être étaient comme nous à galérer à rank up au final, c'est possible aussi. Voilà, des fois on a des mecs qui sont archi chauds, enfin on est tombé contre des mecs, genre ils avaient 4-5 000 heures de jeu, ils étaient global normalement, voilà. Et avec mon compte LE, on est souvent tombé contre des shérifs, contre des mecs qui ont pas de rang, enfin un ou deux LE, mais voilà, il y a quelques-uns des mecs de notre niveau, mais la plupart des mecs de notre niveau, vraiment, on leur roule dessus, quoi. Alors que le vrai rang de Yoz en 5v5, c'est... il est shérif, je crois, mais il a déjà été LE. Donc, bon, c'est pas non plus... non, je peux pas voir son profil. Je peux pas, mais il est LE, il est shérif, je suis quasiment sûr. Enfin bref, du coup, il y aura d'autres vidéos CSGO qui vont venir. Il y aura beaucoup de Wingman, parce que c'est le mode de jeu que je joue le plus avec Yoz. Il y aura sûrement un peu de 5v5 aussi. Peut-être plus solo. Voilà, l'autre fois, j'ai fait une game sur Dust 2, alors que je joue pas souvent Dust 2. Et ça s'est archi bien passé. C'était hyper drôle. On a mis un 16-0. Il y avait des Français en plus. Enfin, c'était plutôt marrant. Donc voilà. Je vais pas vous retenir plus longtemps, parce que je sais que les vidéos CSGO, c'est pas très regardé. Mais il devrait y en avoir un peu plus sur la chaîne, plus que des vidéos Dofus, étant donné que j'ai absolument pas le temps de jouer à Dofus en ce moment, et que l'abonnement ça coûte des kamas, et que j'ai pas envie de m'abonner pour rien. Voilà, des games CSGO ça me coûte rien, je peux en faire pendant une heure ou deux par jour, alors que jouer à une heure ou deux à Dofus tous les jours, c'est pas très rentable, quoi. Donc voilà, allez, ciao les gars, à bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que la petite game qui s'est passée vous a plu quand même, parce que bon, c'était quand même une game sympa, où on s'est bien démerdé. Et il y aura probablement d'autres games comme ça, que ce soit en Wingman ou en 5v5. Ciao les gars.